Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, prends garde à toi. Bonjour, tante Zélie. Tiens, bonjour, Michou, qu'est-ce que t'as? Mon mari qui veut disputer. Pourquoi? Oh, tu pourras pas, c'est trop bête à cause du fromage. Trop bête à cause du fromage. Moi, j'en ai connu des gens, ils ont failli divorcer à cause du fromage. Non. Mais oui, mes patrons, le baron et la baronne, où ce que je suis depuis 25 ans. Ça alors? Pour lui, 365 jours par an, fallait un fromage bien à point pour elle. Oh, un fromage qui sente pas. Enfin, un fromage qui aille aussi bien aux gosses qui ont 2 ans qu'au grand-père qui tombe en ruine. Et en plus, il fallait qu'il soit sain, à cause que le gendre est docteur. Il se battait presque. Et qui est-ce qui les a mis d'accord? Mais les fromages belles, ceux de la vache qui rit. Les fromages belles ont toutes ces qualités-là, et beaucoup d'autres. Il y a la vache qui rit, une vraie crème. Elle s'étale comme du beurre. Les gosses en mangent matin et soir, et ils profitent. Et pour le pique-nique, c'est épatant. Ce gros-là, c'est le bon bel, parfait d'un bout de l'année à l'autre. Il y a le Babybel, et il y en a bien d'autres encore. Et croyez-moi, les fromages belles, marque Vache qui rit, c'est l'assurance. L'assurance fromage. La vache qui rit.